Ah là, non, mais ça commence. Mais je vous dis pas ces deux jours ce que ça va être. Non, mais voilà. Déjà, on va louper les bus. Ouh, on est parti pour 6h35 de bus. Ouais, ça ouvre le champagne. Chut, 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 attention. En fait, on savait pas. Mais il y a déjà des gens qui dorment dedans. Je vous présente Tanaka, c'est mon collègue de voyage. Quel bâtard. Putain, le mec, il empêche déjà tout le bus, quoi. C'est le premier poulet qui sent le saucisson. La patate. C'est ce qui nous a dit, hein, mais on n'est pas sûr. J'espère que c'est pas du sexe de singe. Non, c'est déconne. Fatigué. J'ai pas envie de mourir. C'est tellement impossible de dormir, mais c'est... J'espère qu'il y a des lits à Osaka. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo en direct du Japon. Nous sommes donc arrivés à Osaka et il est en bas le 7-Eleven. Ah oui, il est en bas. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et on... Pourquoi il est fermé? La première fois de ma vie, le 7-Eleven fermé. Non, c'est vraiment fermé. Alors là, ça les gars, non, c'est un très mauvais présage. Ça, on retourne à Tokyo. C'est un très mauvais présage. Je savais même pas que c'était possible. Non, mais là, attendez, il se passe quelque chose. C'est stylé ça. Il y a un grand building avec un mur d'escalade au calme, comme ça, à l'extérieur. Dotonbori, il faudrait y revenir le soir. C'est la rue principale, entre guillemets, de Osaka, n'est-ce pas? C'est ça que vous m'avez dit. Exactement. Et là, c'est un Don Quichotte. On va aller pisser. D'ascenseur. On vient de se réveiller. Un peu de propreté. C'est que là, si tu passes par Osaka, tu pourras pas louper le sticker des flammes en plein sur Dotonbori. Mets-le en haut, non? Attends. Vas-y, toi. Saute. Les flammes! Tu pourras pas le louper celui-là si tu passes à Osaka. Il était 7h du mat là. On voulait juste trouver un petit coin peut-être pour se poser. Et il y a tout qui est fermé en fait dans cette rue. Les Hachimi le matin. Pas mal. J'ai l'impression que moi le matin c'est mort. C'est chaud. Hein. C'est complètement mort. C'est chaud. Bon, d'accord. Introduction d'Osaka à Sukiya. Et voilà le petit déjeuner, somme toute sobre, hein. Putain, ils ont amené des putains de bols, je m'attendais pas à ça. Bon, sûrement, là, t'es en train de faire ton montage comme un petit chinois, tout ça. Ouais, puis nous, on dort tranquille. Oui. Tranquille, tu vois, là. Et même, tu me vois à côté, là. Oh, je dors trop bien. Et je vais essayer de ronfler aussi, comme ça, quand toi, tu voudras te coucher, bah, tu pourras pas, parce que je vais ronfler. C'est important, faut que ça brille, mec. Non, mais les mecs en costard qui font le ménage, moi, je trouve. En plus, pour le sol, dédicace à Rick. Donc, tu ouvres, c'est des lockers pour mettre ses affaires dans la gare, là. C'est bien, j'ai jamais utilisé ça. Tu payes 300 yens, ce qui fait 3 euros à peu près. Alors là, on est parti. Dans quel quartier on est? On est à Umeda. Umeda. Et en fait, à Umeda, il y a un gros store, même qu'on est passé à Akihabara, le gros store d'électronique. Celui-là est même plus grand que celui d'Akihabara, puisqu'on doit faire des petites shopping. People pour l'ouverture. Insortable. Qu'est-ce que t'as mis sur la tête? Panda. Fais ta gueule. Je viens de l'espace, je vais anéantir tous les êtres humains. Bande de bâtards. Bon, à la base, on est venu pour essayer les fauteuils comme ça et faire une sieste sur les fauteuils. Les fauteuils à massage comme ça. Comment allez-vous? Je fume des cigarettes depuis 1972. Ceci est ma voix normale. Chaque lieu est un endroit propice pour dormir. On a la chance, le soleil est avec nous pour la journée. Du coup, voilà, on a fait une petite sieste d'une heure et demie. C'était bien. En fait, tu sais pas du tout où on va là, avec des sauts, c'est ça? Ah, c'est ça? Bah écoutez, on m'a dit on part à l'aventure à Osaka. Ah, d'accord. Donc, ok, bon, je vois le truc.
Donc on part à l'aventure. Oui, aucune information, d'accord. C'est une grosse Non, vas-y, faut que tu refasses ton plan. Là, je peux pas, là. Hé, hey, attends. Elle est énorme, cette baleine. Attends. Elle est en train de faire les annonces en langage des mains. Ah ouais? Elle est vraiment énorme. T'as vu, Panda? Elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Énorme et rouge. Joy Police, en fait, c'est une énorme salle d'arcade qu'il y a sur... Tokyo, et il y en a une ici aussi. En fait, dans Joy Police, c'est. T'as aussi. Comment on appellerait ça? Des petits trucs à thème, un peu comme un parc d'attraction, tu vois. C'est un mini-parc C'est ça. Le mec, il est venu en solo en costard. Le mec, il a pas d'amis. Le bâtard. Oh putain. Ça surprend. Et voilà le petit panorama d'Osaka. C'est bâtimenteux quand même. D'accord, et on va manger la spécialité de Osaka, hein, c'est très réputé ici bien, ici là. Des yakitori. Mais non, des takoyaki. Je me suis trompé. Non, des galettes savoyardes. Des takoyaki. C'est des boules avec du poulpe dedans. Il répond pas, Ça, c'est la crevette. Allez, ça part sur une boule. Comme d'habitude. Tu vois, en fait, ils mettent toute une pâte comme ça. Et après, ils vont faire rouler la pâte au fur et à mesure qu'elle va cuire pour former les boules. C'est un autre plat. Je pense que ouais, ça rend pas bien à la caméra. Oh, si, je pense que ça peut bien rendre au niveau de la grandeur. T'imagines pas la grandeur du truc. Si, ça, je pense qu'ils imagineront. Vous imaginez? Froid, les gars. Ouais, on a fait quand même 8 heures de bus pour atterrir à Osaka quand il fait froid. La sonorité est vraiment belle. Yes. Oh, c'est tellement envoûtant comme musique. C'est magique. Non, mais c'est vraiment. Arrête de dire des conneries tout le temps, toi. J'ai dit, je me sens apaisé. Je suis complètement apaisé. Non, mais vraiment, c'est vraiment. Waouh. Tellement envoûtant cet instrument et il jouait super bien. En fait, on vient voir le château d'Osaka là, qui est juste derrière la forêt. Donc là, c'est les remparts, donc c'est entouré d'eau, tu vois. C'est pour ça que c'est les douves. Avec la légère brise et tout qui agite les feuilles. C'est super beau, l'entrée du château comme ça, là. Avec le Koyo et la ville derrière. Oh, superbe. Oh, avec les oiseaux qui volent et tout. Est-ce que vous ressentez cette poésie, là? Le flas. Super beau. Le petit jardin. Super beau. C'est beau, hein. Alors là, regarde, donc là t'as tout la place devant le gros château. Et là on va décoller tout de suite, on va récupérer nos sacs et on va bifurquer sur notre hôtel que Panda a réservé. Donc on flippe un petit peu de ce qu'il a réservé. On n'est pas très serein. Combien il fait, Panda? Il fait au moins dans les moins 8000. Non, non, moins 20 000, 20 000 degrés. Toi, tu dis combien? Les flammes, il nous faut des flammes. Il fait trop froid, c'est un truc de ouf. J'ai quand même trop froid, les gars, vous êtes ouf. Et il a un blouson polaire, mon Il est ouf, hein. Elle est quand même ultra sympa, la fille, parce que elle lui a elle pas a fait coucou jusqu'au bout. Elle a fait coucou jusqu'au bout, elle lui a pas fait bon, c'est bon, stop. Je crois que si elle avait couru encore 10 minutes, elle m'aurait fait coucou jusqu'au bout comme ça. C'est beau là, t'as vu? Là on a un semblant de... Un semblant de terre postale. Ouais. Il est original, ce bâtiment. Hein, qu'il est original? Ouais. Il est original. Il y a encore une boule au milieu. Bah voilà, tu vois.
quand on suit Panda. Ah, il nous a emmené dans un endroit pourri. Comme... Oh là là, mais film de l'autre côté, t'as pas le droit de faire ça. Il y a plein de restaurants, il y a plein de bars, c'est un petit... Tu vois, moi je te montre le vrai Japon, moi. Non. Des vieilles en bicyclette et tout. Ça, t'aurais pas vu ça ailleurs, tu vois. Peut-être ici, on peut voir des vieilles en bicyclette. Ouais, bah c'est sûr. Le gars, il nous met à perpète de la station de métro. Des petits bonsaï. Comment ça? Je vous ai trouvé un appartement à côté d'un temple. Ah, on fait plus les malins maintenant. On va les prier, c'est bien. Regarde, petit écolier typiquement écolier japonais. Petite casquette jaune, mon gars. Ça, c'est typique. Alors, on kiffe ou quoi, je vous ai amené. Petit salon de massage au calme, tout ça. Mais y'a personne, mec. Mais et c'est parce qu'ils ont réservé la rue que pour nous. Moi, j'ai dit, on vient à 3, on est des youtubeurs. J'ai dit, écoutez. Je crois que c'est ça, non. Réception et dans le bâtiment B. Allô. Tiens, je serai là. Pour savoir qui choisit le lit en premier. Je m'en fous du lit, vas-y. Non, c'est pour ça va être drôle. Ça va, il est 4h, les gens ne dorment pas là. Après, on est plus dans le bus, hein. Mec, en fait, c'est gagné, c'est chaud. T'es rappelé le bus, c'est ça? Oh, mais ça. Voilà. Non, vous abusez, franchement, vous abusez. Shifumi. Non, mais non, c'est égalité là. D'accord. Ah bon, égalité pour tout le monde. D'accord, ok. Si ouais. On a fait. Shifumi. Ouais. Du coup, c'est lui qui choisit. T'es le premier. Entre nous deux. Shifumi. Shifumi. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Non, oh, j'ai peur qu'il me tombe dessus. J'ai peur qu'il me tombe dessus. Ça a pas l'air d'être solide. J'ai dormi au-dessus en fait. Oh bah. Bien installé dans ce petit logement. Il y a même un petit bain, quoi, dis-moi. Vous avez des... Des serviettes? On a dormi vraiment une heure. Une heure, ok. On a mis le chauffage, là, à fond? Non, tu as mis le chauffage. Ce mec, il a mis le chauffage à 30, s'il te plaît. On peut plus sortir de la chambre, ça fait un frigo dehors. Dehors, il fait moins 1000. Mais non, il y a des glaçons et tout, il neige dehors, attends, je vais voir. J'ai vu un Yeti. Mais j'aimerais bien voir un peu tous ces trucs ouverts, là. Parce que c'est pas ouvert la journée, c'est pas ouvert la nuit, c'est ouvert quand? Bah ça doit être ouvert le matin, c'est un espèce de marché, ça. J'ai cherché au moins pendant une semaine ce quartier, et je l'ai enfin trouvé pour le vous, gros mytho, quoi. Et en plus, je l'ai trouvé pour 8 euros par jour. Exceptionnel. Par contre, le métro, normalement, il aurait dû être là, on devrait pas aller plus loin, normalement. Ouais. Mec, attends, pour ça, je voulais filmer qu'il y avait des shots dans le métro. C'est bizarre, ouais. C'est ouf. C'est assez rare. Mais même les étudiants à côté, ils disaient. Putain, il y a des toilettes là. C'est mes nouveaux potes. Bon, bah, il y a pas mal de monde, hein. On vient d'arriver à Dotonbori. Les gars, par contre, là, j'ai trop faim. Et ce stand de nouilles, il sent pas terrible, il sent la raclette. Ça sent le fromage, on est d'accord, hein. Ça sent la raclette. Mais complètement. Wouah, trop de lumière sur l'écran. Ça part. Ça part. J'ai faim. Oh, les touristes. Regarde, l'aventure avec le poulpe géant. Ah, t'as un poisson qui vole. Oh, elle est belle, cette truc. Ils sont énervés sur les enseignes, ils mettent des trucs énormes. Oh, cette ambiance de fou qu'il y a ici, quoi. Alors, on va se faire du riz sushi. Putain, c'est trop bon, j'adore ce plat, je mange tout le temps. Dès que je peux le trouver, je mange. C'est du saumon, tu vois. Il est juste cuit au chalumeau, donc il est payé encore cru dedans. Il est moelleux. Et c'est sur du riz. Tu mets de la sauce soja sucrée. C'est juste ça, tu vois. C'est du riz, un petit peu de kim, c'est ça, les algues. Putain, mais c'est tellement bon. Panda, il se fait plaisir aussi. T'as un mix de quoi, toi? C'est des fruits de mer, là. Non, ah, il y a une coquille Saint-Jacques, saumon cuit, un peu d'anguille, et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très bon. Waouh, les couleurs sont trop belles du tien. Eh ouais. C'est quoi? Thon, saumon, c'est quoi la pâté? C'est un sort de kaisendon. La pâté du milieu, c'est quoi? Là, c'est pareil, c'est du thon, mais qui est haché. Haché? Ouais, et de la sèche. Bon appétit, les gars. Ah, ça fait trop du bien, on s'est régalé. Voilà, là, tu vois, tu sens la force et l'énergie qui revient en toi. Et donc, du coup, on est toujours à Dotonbori. Et à Dotonbori, toi, tu veux prendre un melon pan. La boutique melon pan, c'est le même que j'ai goûté à Yokohama avec Kazu. Le deuxième melon pan du Japon. Oh, le melon pan chantilly, chocolat, glace. Oh, le truc. Avec le bateau qui passe, waouh, les couleurs. Oh, ah, c'était carte postale là, direct. Ah, et donc ça là, c'est l'emblème. C'est rigolo, les gens là.
Et donc, le mec derrière, c'est l'emblème d'Osaka, c'est ça? D'Osaka ou de la rue? Non, c'est l'emblème d'ici parce que c'est le truc qui est le plus marquant, mais... Et donc, c'est le Guriko. Guriko. Guriko, et ça représente quoi, ce mec? Pourquoi il est là? C'est quoi? C'est une marque. Ah, c'est une marque? Ouais. Tu regarderas tous les gâteaux, ce genre de choses. La Strong, un mélange de bière et d'alcool, à essayer, je connaissais pas du tout. Et ça monte très vite à la tête en fait, t'as pas besoin d'en boire des tonnes pour être un peu joyeux. Bien sûr. Santé. Oh le van. Voilà, la taille du bordel. Là il y a une salle d'arcade, elle fait 12 étages. 12 étages énormes, il y a des trucs de jeu, du bowling, du billard, de la batte de baseball, le truc du taureau, c'est un truc de ouf les activités qu'il y a. Tu payes 16 euros et t'as accès à tout pendant 90 minutes. Là tu vois, il y a le bowling ici, il y a des tables de ping-pong, il y a du billard. Vidéo terminée pour aujourd'hui, ça va être vraiment une journée de malade. Là, c'est le guest house, il est tard, il est quelle heure? Il est 3h15 et la vidéo est pas encore terminée puisque je suis en train de faire le out. Ces enfoirés, ils avaient raison quand ils ont fait le petit plan dans le resto du matin puisque là, ils sont en train de pioncer et de ronfler dans la chambre. J'espère que vous avez kiffé aussi la journée. Demain, la suite des aventures avec ces deux-là. Un gros merci à tous les tipeurs. Donc ce soir, merci à Sarah et à Jonathan. Merci, vous gérez trop. Un grand merci pour votre aide. Je vous dis à demain les amis et... Hasta la vista.